Le président français Emmanuel Macron en visite au Cameroun s'est entretenu mardi avec son homologue Paul Biya au palais présidentiel de Yaoundé. Les deux chefs d'État ont évoqué la situation sécuritaire tendue au Cameroun. Cette rencontre a aussi été l'occasion d'aborder la guerre en Ukraine. Le président français a qualifié d'hypocrisie l'attitude d'une partie des États africains vis-à-vis de cette guerre. Le choix qui a été fait par les Européens, premièrement, n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe. Mais enfin, il faut dire les choses, on vit mieux. Après le Cameroun, Emmanuel Macron doit se rendre au Bénin puis en Guinée-Bissau. Cette tournée en Afrique de l'Ouest est la première depuis sa réélection en mai. Personne ne va venir nous chercher, c'est chez nous, entre guillemets, hein, il n'y a pas de malentendu.